Salut à tous les Madristas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Je vous ferai une vidéo actualité Real Madrid début d'après-midi. On va plus faire une petite vidéo pour débattre. J'ai envie que vous débattiez un petit peu avec moi dans les commentaires sur entre guillemets la une du journal Marca, voilà, qui a fait polémique. Donc on retrouve Africa Power, 6 joueurs du Real Madrid qui ont des origines, voilà, des racines africaines. C'est bien de les mettre en avant. Moi ça me choque pas. Voilà, mais pour ces 6 joueurs qui ont des racines et des origines, bah, c'est vrai qu'ils ne sont pas nés entre guillemets en Afrique. Mais si on lit bien la une, enfin le texte de Marca, c'est le Real Madrid, voilà, avec leur politique de recrutement, ils n'auraient jamais pensé en soi aller chercher bah, des joueurs ayant des origines. Après, ça a été revendiqué dans le sens où le journal de presse met à l'avant ces joueurs qui revendiquent aussi leurs origines, que ce soit leur papa, leurs ancêtres. Et on avait aussi l'arrivée d'Antonio Rüdiger. On avait vu cette photo, il avait le drapeau de la Sierra Leone. Voilà, un grand respect, une pensée pour lui, pour ses ancêtres, son papa, ses grands-parents. Voilà quoi. Donc, c'est ça, il y aura toujours débat. Voilà, je pense qu'il y a eu, il y a eu de la maladresse. C'est. Moi, pour moi, mon avis, il y a eu de la maladresse. C'est bien de mettre en avant, mais c'est vrai qu'on sort un petit peu du contexte du football. C'est plus de la gênance, voilà. Et voilà, moi, ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que qu'avec cette une, même si, bah, c'est sûr que ça va faire vendre, hein, voilà, le journal Marca, c'est l'un des plus achetés et regardés en Espagne. Surtout, ce que je veux dire, les Madridistas, c'est que ça peut être mal interprété. Dans tous les sens du terme. Africa Power, pas Africa Power. Les gens vont dire oui, c'est raciste, machin. Ce sera toujours comme ça. Alors qu'on le voit bien avec les confrères de AS, qui parlent clairement de la prochaine Ligue des Champions qui sera difficile. Voilà, ils parlent des recrutements, notamment du Bayern Munich avec Sadio Mané. On a Darwin Núñez à Liverpool. On a Erling Haaland à Manchester City. Au Borussia Dortmund, c'est à l'heure. On a Mbappé aussi en tête de gondole au Paris Saint-Germain. Donc, on est sur un tout autre type et publication de la part de AS qui nous parle de Ligue des Champions. Voilà, il nous parle de football. Après, je pense que ça a été de la maladresse. Hein. Ça a été de la maladresse. De toute façon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour moi, ça sort du contexte du football. C'est bien de mettre en avant. Faut pas oublier, voilà, que certains joueurs, autres que ça soit le sport, ont des origines africaines ou sont nés en Afrique. Mais ça peut être mal interprété, voilà. Et puis après, ça suscite les débats à gauche, à droite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Je vous referai une vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ce matin, il n'y avait pas vraiment grand-chose. On reste à l'affût sur des potentielles rumeurs de transfert ou des prolongations. Tout ce qui est en rapport avec El Mejor Club del Mundo. Tu le vois, il est là, c'est acquis. N'hésitez pas à mettre le petit like. Pour les nouveaux abonnements, c'est exceptionnel. Merci à vous tous pour votre soutien. La chaîne grandit de plus en plus. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. À la Madrina Damas et prenez tous soin de vous.